Comment mobiliser 4,5 milliards de francs CFA par mois à investir dans des projets à impact rapide dans des régions dites déshéritées? C'est pour répondre à cette préoccupation que juristes, élus locaux et responsables d'ONG se sont retrouvés le samedi 17 mai 2014 à Dabou. Le fonds d'appui à la création de projets à impact rapide, FACPI, qui va être mis en place, est une initiative de l'Agence de développement des grandes régions, ADGR. Ce fonds va s'occuper essentiellement de projets qui peuvent aider directement nos populations, c'est-à-dire des projets tels que l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, le petit commerce, la mécanisation. L'ADGR propose une approche de développement communautaire en s'appuyant sur une chaîne nationale de solidarité pour lutter contre la pauvreté à travers la création d'activités génératrices de revenus. Au moins 1 million de personnes issues des régions retenues et de la diaspora apporteront leur contribution financière à ce projet. Chez nous, il y a des gens qui sont économiquement, ils sont à terre. On veut donc les aider à s'asseoir. Ceux de la diaspora de la région cotisent. Des Ivoiriens qui ont des intérêts dans ces zones cotisent. Ceux-mêmes qui ne sont pas dans ces zones-là cotisent parce que quand leur tour va arriver aussi, des gens des 11 zones-là pourront leur venir aussi en aide en cotisant. Le FACPI est un instrument socio-économique. Il transcende les barrières ethniques, régionales, religieuses et politiques. Le projet, dans sa phase pilote, concerne 11 régions.